Mikius Tip Top Drumming, épisode 4. Content de vous retrouver les chouchous. Pour ceux qui auraient reconnu, ou pour les élèves avec qui on avait travaillé, voilà, un petit hommage à Dave Grohl et à son morceau Play. Donc voilà, c'était un petit peu dans le genre de l'intro de ce morceau. Voilà, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Mikius Tip Top Drumming, épisode 4. C'est parti! La séance aujourd'hui, un exercice qui sera à la fois de la technique mais aussi de la musicalité et un sens un petit peu plus pratique, puisque c'est l'utilisation dans les exercices qu'on avait travaillé dans la dernière vidéo, c'est-à-dire l'exercice numéro 2 de technique ternaire de la dernière vidéo en break. Donc ceci, mais ce qui va être intéressant là, c'est qu'on va l'utiliser en fait dans un rythme binaire avec des doubles croches par 4. Donc forcément, comme nous on fait une série de 3, 1 et 2, 3, 1 et 2, 3, 1 et 2, 3, en fait ça va se décaler dans le temps. D'où la petite pirouette avec les 4 doubles croches à la fin sur le tom basse. Tiens, salut Lily, comment tu vas? On fait une petite pause là. Chérie? Oui, chérie? T'as bientôt fini? Je faisais une petite pause. Ah, bah ça tombe bien, j'ai fait des petits gâteaux. Des petits gâteaux? Ouais. Oh punaise, ça c'est chouette, ça change un peu. Ah ouais, cool, des petits gâteaux. Tiens, mon chéri. T'aimes les petits bon, gâteaux? Tu verras, j'ai innové, j'ai mis un ingrédient un peu mystère. Ah, il y a le petit gâteau qui est bon. T'as foutu dans les gâteaux? Ouais, mais j'ai mis des roll maps, t'aimes tellement ça. Tenez les chiens, mangez des gâteaux aux roll maps. Lily, tiens. Voilà, pour finir la séance aujourd'hui, on va finir en rythme et on va se concentrer un petit peu sur l'interprétation au niveau du charlet. Donc soit des accentuations, c'est-à-dire des coups plus forts, des coups plus marqués, soit des ouvertures de charlet. On va choisir un beat hyper simple et vous allez voir que, voilà, sauf si vraiment c'est quelque chose que vous maîtrisez depuis un moment, c'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe et un petit peu plus difficile qui peut paraître. Donc je vais commencer par un pumchak, un backbeat tout simple, puis je vais y mettre des accents sur le temps, donc sur les grosses caisses et les caisses claires, puis des accents à contre-temps, et puis je vais faire la même chose en marquant après des ouvertures de charlet. Voilà ce que ça donne. Voilà, portez-vous bien, toujours content de vous retrouver, à la prochaine.